Bonjour la famille, comment allez-vous? Bienvenue sur mon vlog Angola mars 2024. Voilà, on a dit après l'effort, le réconfort. Ah oui la famille, j'étais épuisée, regardez-moi ça, juste envie de repos. Oui la famille, ça va être super. Alors voilà, en salle d'attente, hein, toujours avec mon ami fidèle, voilà, qui m'accompagne partout. Donc voilà, on attend et là on a embarqué donc pour Francfort, ouais, parce qu'on a pris un avion avec escale, donc un seul escale, hein, une escale. Donc voilà, donc là on est sur Roissy Terminal 1, mais vraiment j'aimerais que vous puissiez porter attention à l'organisation des aéroports internationaux. S'il vous plaît, regardez exemple de Roissy. On va regarder aussi à Francfort, hein, et celui de l'Angola et essayons de comparer avec celui de Kinshasa. Alors, il y a une chose qu'il faut vraiment se focaliser dessus, c'est regarder lorsqu'on va décoller. Vous allez voir qu'en France, autour de l'aéroport, vous allez voir beaucoup des champs. C'est-à-dire que les zones non habitables, c'est des zones où il n'y aura que des champs. Au cas où il y a un souci, eh ben, l'avion ne va pas s'écraser sur les habitations. Regardez bien, que des champs, que des champs. Et vous allez voir ça aussi en Allemagne, regardez. Alors là, par contre, voilà, on vient de nous donner une petite bouteille d'eau, oui, parce que c'est un vol d'une heure, donc voilà, hein, voilà. Et donc voilà, on arrive à Francfort. On arrive à Francfort, donc la nuit. Bon, après, vous allez voir, on va pas vraiment beaucoup voir les champs, comme je vous ai dit, par rapport en France. Mais en tout cas, croyez-moi, les zones près de l'aéroport sont bien non habitables. Ça, c'est partout en Europe. Voilà. Et on y va tout doux, tout doux, tout doux. Et ah, le repos, mon Dieu. 5 ans de combat. Mon Dieu, je vais aller juste me reposer. 2 semaines, mais 2 semaines très intenses. Voilà. Arrivé à Francfort. D'attente, une heure d'attente, ça va, c'était pas très très long. Donc oui, effectivement, on a pris Lufthansa et franchement la famille, super. Franchement, quand vous avez des enfants, prenez Lufthansa et TAP. Je fais pas de la pub, mais en tout cas c'est deux compagnies qui sont très très bien, très très bien pour des familles avec enfants. Voilà mon pote qui est là-bas, qui s'allonge, hein, tranquille, voilà, à l'aéroport de Francfort. Coucou mon pote. Voilà, là donc on embarque, hein, famille, on embarque pour Luanda. Et surtout la famille, rappelez-vous ce que je vous avais dit la dernière fois lorsque je suis partie en Angola. L'avion pour l'Angola est blindé des Européens, comme d'habitude. C'est-à-dire que sur 100% dans ce vol, on avait au moins 75% de Européens. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Comment est-ce que l'Angola, en ce moment, beaucoup d'Européens y vont? Bah, c'est simple. Depuis 2022, les visas sont complètement free pour toute personne possédant un passeport
européens, c'est-à-dire les Français, les Belges, les Suisses, les tout ce que vous voulez, même Suisse qui ne fait pas partie de l'Europe, même l'Angleterre qui ne fait pas partie, les Américains ont ce droit-là d'aller en Angola sans visa pour moins de 30 jours. Et oui, donc si toi, tu veux faire des affaires en Angola et que tu es européen, dis-toi que tu peux aller en Angola quand tu veux. Et par contre, ne fais pas plus de 30 jours parce qu'au bout de ton 31e jour, tu dois prendre un visa à partir de Luanda. Voilà, donc visa free. Et donc, je vous montrerai là où il faut aller faire son visa lorsque vous êtes en Angola, à Luanda, comme j'ai fait pour mes enfants lors de notre dernier séjour. La famille, avez-vous remarqué la même chose que moi? Démocratique République Congo. Les Allemands écrivent Congo avec un K. Avec un K, ils connaissent. Hein, quand on parle de conférence de Berlin, eux au moins ils se rappellent que ça s'écrit avec un K. Vous allez me dire, oh Jenny, tu parles beaucoup. Bah oui, mais il faut que je vous explique. Donc là, on arrive le matin. Donc à une heure d'arrivée, on nous donne un petit déjeuner. Mais les Allemands adorent le fromage. Non mais sérieux, il n'y avait que du fromage partout. Mais bon, on va pas trop critiquer. Ils sont sympas. Donc voilà, là on arrive. Ça c'est le premier ciel éclairé de l'Angola que j'ai pu capturer, en tout cas de Luanda. Voilà, magnifique, on arrive. Par contre, je voyais, mais pourquoi le ciel il est gris comme ça? Et bah, vous allez comprendre. Donc voilà, la famille, regardez bien. Il faut comprendre une chose. Alors, je ne sais pas si les bateaux qu'on voit en bas sont des bateaux de pêche ou de bateaux des pétroliers. Je ne sais pas. En tout cas, il faut savoir une chose, que l'Angola, exploite toutes ses richesses. Ils exploitent bien toutes leurs richesses. C'est-à-dire que j'ai remarqué une chose, que l'Angola a mis en avant le développement du pays avant le social. C'est-à-dire que tout, ils ont bien développé, c'est-à-dire il y a des routes pour aller dans toutes les provinces, mais des routes bien faites. La douane, l'immigration, des barrages d'immigration. Je vous mettrai une vidéo lorsque je suis partie à Loufou. Mais ils ont bien construit l'immigration, les barrages, tout ça, bien comme il faut. Des bus régionaux, climatisés, mais vraiment, ils ont un service de transport public, mais bien fait. Mais franchement, très bientôt, on va avoir un métro là-dedans. Mais les Angolais se développent, ils développent le pays, ils mettent des structures, ils mettent tout ce qu'il faut. Mais par contre, le social, voilà, ils ont mis le social des Angolais un peu en arrière. Ils se focalisent sur le développement et j'espère que bientôt, ils vont s'occuper du social. Parce que vraiment, barre de Twix à 2 euros en Angola, c'est énorme. Donc voilà, regardez-moi un peu le développement. La famille, les gens construisent en Angola. Ça, c'est Luanda, hein, vu du ciel. Hein. Vous voyez le stade de foot. Il y en a plusieurs, hein, des grands stades comme ça. Donc très structuré, les routes bien faites. Bon, après, il y a des petites routes qui sont pas comme partout en Afrique. Mais en tout cas, les grands axes sont propres. Choix pour en tout cas en cas de bouchon. Donc voilà, et puis regardez l'organisation, regardez l'aéroport. Non mais juste l'aéroport vous montre l'organisation du pays. Non, l'Angola est organisée, la famille. L'Angola est organisée et ça encore c'est l'ancien aéroport. Donc on atterrit, la famille, on est arrivé en Angola. Je parle beaucoup mais il faut que je vous explique quand même, non hein? Donc voilà, juste l'aéroport vous montre que le pays est organisé et le pays est en développement, la famille. Regardez-moi le clean que c'est, hein? Ah non, il n'y a rien à dire, la famille. Bon, je vous laisse regarder. Mais en tout cas,
Regardez, lorsque j'ai vu ces buées-là, j'ai compris qu'on était en saison de pluie. Ah oui, je n'avais pas encore saisi jusqu'à ce que j'arrive et que je vois les buées. Voilà, la famille, nous sommes arrivés et je vous laisse regarder un petit peu. Trop contente de voir ma famille. Alors la famille, bien sûr qu'en bas de l'avion, il y a des bus d'aéroport, un spécial d'aéroport qui nous attend. Le premier groupe est parti dans le bus que vous voyez là-bas au loin. Et donc nous, les retardateurs, j'étais pas pressée, franchement. J'ai pris le deuxième bus pour une fois. J'étais pas pressée, j'étais en mode cool, quoi. Je viens me reposer. La famille, regardez l'organisation, s'il vous plaît, l'organisation. Vous arrivez dans un pays africain comme ça, vous dites ok, ils sont organisés, clair. Nous sommes là, fanatiques de Rwanda, ma sœur. Faut en faire une photo, mais on lance une photo pour publier. Ici, c'est Luanda, c'est Jenny, c'est l'Afrique. Ouais. On est là, madame Jenny, le meilleur du monde. C'est Jenny, elle est la meilleure. C'est un peu bien open. La famille, j'étais en train de me cacher comme pas possible. J'ai été reconnue par nos compatriotes. Oh là là, franchement, l'accueil chaleureux. Les gars, merci, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre accueil. Merci, vraiment, franchement, on parle pas pour rien. Hey, la famille, je suis connue. La famille. C'est trop bien, vraiment. Merci les gars, merci l'Angola, merci nos frères congolais qui sont en Angola. Mais vraiment des gros bisous, on pense à vous. Force à vous, c'est pas facile là-bas. Mais voilà, lâchez rien, c'est mieux qu'ailleurs. Exact, Ingeta. Vloggy. Alors bonjour tout le monde. Alors comme beaucoup le savent, je suis pas en France actuellement. Je suis en Angola. Donc voilà, je vais faire un petit vlog d'aujourd'hui pour on avait parlé sur le fait que j'étais en train de construire ma petite maison en Angola. Voilà, donc ça c'est ma chambre. Ça c'est nouveau, rappelez-vous hein, de 2021, il n'y avait pas ça. Donc je continue petit à petit de faire les finitions de ma petite maison. Donc voilà. Coucou. Alors pour ceux qui pensent que Jenny à ce colocation, et puis voilà, ça c'est mes toilettes, hein. Ça c'est ma douche, c'est mes toilettes, mon lavabo, rien que pour moi dans ma petite chambre, toujours lingette, voilà, comme je vous ai dit, les travaux, toujours les petites finitions, pas encore terminées, voilà ma petite lingette, hein, pour les fesses douces, pour ceux qui ont le derrière sensible, voilà. J'ai ma petite lingette qui est là toujours avec moi. Voilà, je dors toujours par terre. Alors, je demande une cagnotte, s'il vous plaît, la famille. Une cagnotte pour m'acheter un lit. S'il vous plaît, une cagnotte. Voilà, j'ai pas encore mis de. De rideau. Hein, comme vous le voyez, j'ai fait des travaux tout doucement.
Et donc voilà, voilà. Alors oui, je vais refaire donc mon plafond parce que ceci est Ceci est complètement pas beau du tout. Je n'aime pas. Donc là, on va me refaire mon plafond comme ce que j'ai refait au salon. Rappelez-vous, je vous mettrai les images d'avant et d'après. Vous verrez la différence des travaux que j'ai effectués cette année en Angola. Voilà, je vais me laver. À toutes. Franchement, la famille, ça se voit sur ma tête que j'aimais pas du tout les finitions. Hein. Il y avait pas de finition. Voilà, maintenant je vais vous montrer après quelques finitions. J'ai pas terminé, hein. Vous voyez encore mon couloir, il n'est pas fait. Voilà, on a juste fait les plafonds, on n'a pas fait les murs, on n'a pas fait les portes. Donc voilà, je vous laisse savourer les petites finitions que j'ai établies. Alors, excusez-moi la famille, il y a une deuxième cagnotte pour la télé, s'il vous plaît. Je vais mettre là mon IBAN sur les commentaires. Je mets mon IBAN, la famille, pour une cagnotte pour la télé, s'il vous plaît. J'ouvre une cagnotte pour la télé. Merci. Il est 3h du matin, j'arrivais pas à dormir et juste au moment où j'ai fermé l'œil, j'entends un bruit, j'ai cru que il y avait le feu, j'ai cru que la maison brûlait, mais écoutez-moi ce bruit, c'est la pluie, c'est la première fois que j'entends autant de bruit pour la pluie, mon Dieu, j'ai eu peur, écoutez-moi ça. Jenny Fuji Okafor.